avons prié. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Regardez. Le Seigneur, dans sa fidélité, m'a donné une prophétie aujourd'hui. Vous savez, les visions de l'esprit ne sont pas faciles. Alléluia. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu m'a mené comme au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a mené dans la nation camerounaise. Je suis souvent étonné des personnes qui disent souvent en commentaire, laisse la politique, oh, prêche-nous l'évangile. Alléluia. Vous devez savoir qu'à la base, je suis un prophète des nations. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu m'a donné le mandat de parler aux nations, de parler aux rois, de parler. Alléluia. Donc, je suis un prophète des nations. Et Dieu m'a mené dans la nation camerounaise ce matin. Alléluia. Il était exactement, si je ne me trompe pas, je crois qu'il était comme 6h ou 5h, je ne sais plus. Amen. Et lorsque le Seigneur m'a mené dans ce voyage de l'esprit, Dieu m'a montré, comment on l'appelle, le président de la FECAFOOT du Cameroun. Il s'appelle Samuel Eto'o. Vous le connaissez, non? Voilà, il s'appelle Samuel Eto'o. Et Dieu m'a montré Samuel Eto'o. Et j'ai vu Samuel Eto'o dans l'esprit. Je l'ai vu beaucoup embêté. Amen. Et en même temps, j'ai vu Dieu faire du bien à ce monsieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Dieu m'a montré dans l'esprit comment il était tellement généreux. Amen. Il était tellement généreux. Et dans l'esprit, j'ai vu comment Dieu l'a donné comme, c'est-à-dire, Dieu a un plan pour lui. J'ai écrit la prophétie là, ici, là. C'est-à-dire, regardez, Dieu a un plan pour lui. Alléluia. Dieu a un plan pour lui. Et Dieu a un projet de royauté pour lui. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Dieu a un projet de royauté. Amen. Parce que j'ai noté la prophétie ici. Dieu a un projet de royauté pour lui. Alléluia. Et Dieu est en train de récompenser Samuel Eto'o par rapport à tous ses actes de justice qu'il a eu à faire jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, un jour, je ne sais pas quand, Dieu ne m'a pas dit quand. Alléluia. Je ne sais pas quels sont ses projets, mais dans l'agenda de Dieu, j'ai vu un projet politique et de royauté sur lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire de royauté. J'ai vu Dieu l'établir roi. J'ai vu Dieu l'établir. Et c'est un décret qui est déjà fait. Amen. Donc Dieu a déjà signé ça dans l'esprit. Amen. Alléluia. Je ne sais pas quand ça va arriver. Mais un jour, on dira son excellence, Monsieur Samuel Eto'o, président de la République du Cameroun. Un jour, notez ça. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes quand? Nous sommes le 14 avril 2024. Hein? C'est la première fois que Dieu me parle sur lui. Dieu ne m'avait jamais parlé sur lui au passé. C'est la première fois que Dieu me donne la prophétie sur lui. Il y a une chaise. Dieu... Oh, il va s'asseoir sur une chaise royale. Amen. Vous comprenez? Je ne sais pas quand, mais Dieu va le faire. C'est un plan que Dieu a pour sa vie. Alléluia. Et Dieu va le faire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci. Vous savez, il dit souvent qu'il ne fait pas la politique. Il dit souvent qu'il n'est pas dans la politique et qu'il ne va jamais faire la politique. C'est-à-dire qu'il ne va jamais chercher à être président ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose que, c'est-à-dire, c'est Dieu qui l'impose ça. Parce qu'il est comme, j'ai vu dans l'esprit qu'il est comme un instrument que Dieu va utiliser pour un grand changement au Cameroun. Amen. Donc, la même personne qui dit souvent qu'il ne fait pas la politique, lorsque l'esprit de Dieu va l'agiter, vous allez voir comment ça va se manifester. Alléluia. Souvenez-vous que lorsque Dieu voulait établir Saül, c'est Saül d'abord roi. Hein? Avant que Saül ne soit roi, Saül était tranquille dans son coin. Il n'avait pas les intentions, c'est-à-dire il n'avait aucune intention de la politique. Hein? Mais quand Dieu l'a choisi, c'était obligé pour lui de faire la politique. Donc parfois vous pouvez être un instrument de Dieu dans le secret, mais vous ne savez pas.
Et cet homme de Samuel Eto'o est un instrument de Dieu dans le secret. Donc lui-même, il n'est pas conscient de ça. C'est pour ça que peut-être il va souvent, vous allez l'entendre dire, je ne fais pas la politique, vous n'allez jamais me voir. Mais quand l'Esprit de Dieu va le saisir, lui-même, il va aller faire ça. Et lorsqu'il va le faire, ça sera à 100% la victoire que Dieu va lui donner. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai vu ces choses-là, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé au Saint-Esprit, que mes seigneurs, pourquoi lui? Et Dieu m'a dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup été généreux. Il a beaucoup donné aux pauvres, il a beaucoup aidé les gens. Et il est temps pour moi de récompenser cette personne pour ça. Alléluia. Donc ce sont ces actes de justice qui l'amènent à la royauté. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai parlé au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai déjà parlé. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. On n'a jamais parlé. On ne s'est jamais vu face à face. Jamais. Mais pourquoi Dieu vient me parler de lui aujourd'hui? Alléluia. Donc c'est un décret déjà fait. Le temps arrivera où cette prophétie s'accomplira. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet instrument de Dieu, alléluia, amènera le pays à une autre dimension par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà la prophétie que j'ai donnée sur le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Alléluia. Donc, il va quitter de là à la chaise royale. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Acclamez Jésus. Ok. Regardez. On va prier que le Seigneur garde sa vie. Parce que en même temps, lorsque j'ai vu ça, j'ai vu beaucoup de conspirations autour de lui. Ça dit beaucoup sont conscients. C'est comme si, si vous savez que le diable aussi connaît les secrets des gens. Hein. Donc le diable est conscient de ça. Le diable va faire tout et tout pour combattre ça. Mais le diable ne réussira pas. Ça dit, quelles qu'en soient les tempêtes qu'il va traverser, ça va finir par s'accomplir. Amen. Père, nous prions que tu préserves ce monsieur au nom de Jésus. Que tu gardes sa vie. Et que ta parole sur sa vie s'accomplit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole sur sa vie s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus et assois-toi. Acclame Jésus et assois-toi dans sa présence. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde.